Y a pas un raccourci. Grand classique, c'est F5. Ok. Ah d'accord, ok, non, c'est juste pour ouvrir le menu. Ok, bon, bah tant pis, hein. Voilà, ça c'est vraiment pour voilà, pour se faire un tout petit peu d'argent. On vend tout en démat. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Hop. Là, il y a autre chose aussi que j'ai pas regardé. On va regarder ça très rapidement, mais ouais. J'ai aucun jeu là qui. Qui a des micro-paiements intégrés. Parce que j'ai tout laissé à l'abandon depuis un bon bout de temps à ce niveau-là. Ah mais même Mericom, je peux faire ça? Ah mais ça c'est abusé ça! Ah mais même sur les Ricom, je peux faire ça, bah c'est bon hein. Millionnaire hein. Bah, millionnaire, je le suis déjà depuis longtemps, mais milliardaire, ouais. Multimilliardaire. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus de milliardaire. Ouais, c'est bon. Ok. En vrai, on va continuer. Non. Je viens de l'édition standard. Hop. Non, 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 non. On vient de l'édition standard, j'ai dit. On va se faire un flouze. Mais d'enfoiré, quoi.
Allez, on balance ça. C'est débile. L'argent, c'est débile. C'est n'importe. Je gagne des millions par semaine, c'est n'importe quoi. Alors, après, qu'on soit bien clair, hein, tout à l'heure je disais Steam, le modèle de Steam, je critique pas. Hein. En vrai, ça marche pour eux, tant mieux. Hein. Et puis je suis le premier consommateur de Steam. Hein. Et honnêtement, je vais même vous dire, depuis que Steam existe, depuis que j'achète mes jeux sur Steam, je ne pirate plus mes jeux. Parce que c'est tellement peu cher sur Steam, et puis et tu as tout au même endroit, c'est méga pratique en vrai Steam. T'as plus à te faire chier à craquer. Enfin, tu payes tes jeux résultat, mais t'as plus à les. T'as plus à craquer. Et puis surtout tu peux rechercher les jeux que tu veux, par catégorie et tout, c'est super pratique. Mais en vrai, moi depuis que j'utilise Steam, que j'achète un jeu 5 € sur Steam, en vrai, bah je pirate plus. Plus besoin, c'est pas cher du tout, et puis et surtout en piratant, bah, on risque toujours de tomber sur des virus, sur des cracks, mais qui laissent des backdoors sur le PC ou ce genre de choses. Voilà, ouais, achetez vos logiciels en vrai, c'est pas si cher, et puis voilà. Et enfin, je dis logiciel, les jeux après les logiciels, j'ai envie de vous dire, tournez-vous vers le libre, hein. C'est mieux que craquer Photoshop ou autre logiciel. Enfin bon, voilà. Après, je vais pas vous faire la morale. Bon, ça devient nimple. Ma liste à droite, c'est n'importe quoi. C'est juste. Lequel? Xenohia. Encore un truc avec des kings chelous, ça. Hop. Ouais, vous êtes pas content, cassez-vous. Reste 82 technologies pour les consoles. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? En B3, je joue au pif, on s'en fiche. En vrai, non. En vrai, on va mettre des RICOM. En vrai, on va mettre des RICOM. On met 3 RICOM au pif. Bon, toujours pas volontaire pour l'achat, les autres devs là qui restent là.
Je sais pas pourquoi ils veulent pas se laisser vendre, hein. Allez! J'ai 21 milliards, c'est débile. Par contre, moi ce qui m'inquiète c'est mon service client. Hein. Ils galèrent les pauvres. Ils sont envahis de courrier, ils savent plus où donner de la tête quoi. Du coup c'est. Donc c'est pas celui-là, c'est Simulation City. Hop. Hop. Non, si c'est ça. Si me semble que c'est ça, hein, ouais. Du coup, moi je me pose la question, c'est eux là. Parce qu'en vrai, alors, la convention de jeu c'est bien, hein, mais... Alors pour le moment, ce que je vais faire, c'est de l'assistance. Je vais mettre tous les deux là-dessus, enfin les deux bureaux là-dessus pour essayer de répondre au courrier des fans. Parce que là, c'est. Ils s'en sortent pas, quoi. C'est. Bon. Du coup, j'hésite. On va regarder un petit peu comment ils s'en sortent. Voir s'ils arrivent à baisser la quantité de courrier qu'il y a dans la boîte aux lettres. Non, ils n'y arrivent pas. Je vais devoir refaire un bureau plus gros. En vrai, je vais faire un maxi bureau. Attends, excusez-moi, mais j'ai un petit souci. J'ai rien. Quelle heure il est là? Ah ouais, bah, de toute façon, ça va être la fin de cette session de tournage. Encore désolé pour, je sais pas si je vais couper ou quoi, les 45 minutes d'erreur. Mais on va refondre tout ça. Annuler assistance. Annuler la tâche. On va puis tout ça. Et on va Ok, alors du coup, je sais pas trop. Bon, pour le moment, on va faire la grande salle et puis on verra après. Du coup, c'est le service client. Donc on va faire une maxi salle. 20 sur 25. Très bien ça.
avec une petite porte ici. Désolé, j'ai un œil qui se met à pleurer. Ça fait longtemps que je suis sur mon écran là. Ok. Du coup, on va se mettre en mode température, j'y suis. S'il te plaît, voilà. Du coup, on va mettre nos chauffages. Alors déjà, on va en mettre au coin. Au milieu, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire de ça. Ok, donc je suppose qu'avec un peu de chauffage électrique en plus, c'est bon, on va y arriver. Quand on. Parce que y a les chauffages normaux qui se mettent au mur et les électriques qui peuvent se mettre comme ça au sol, peu importe un peu où. Du coup, ça c'est la température, c'est ok. Maintenant, la déco. Bon, toujours la même, hein. Un truc assez cosy. De toute façon, on est milliardaire, on s'en tape, hein. C'est pas ça qui va nous ruiner, j'ai envie de dire. Zut. Service client. J'ai oublié bien évidemment. Poubelle, distributeur, tout ça. La petite armoire. Ok. Ah mais pourquoi il... Bon, c'est pas grave. Du coup, il est droit là? Ouais, on va dire qu'il est droit. Ah bon. Je vais être gêné par les radiateurs, sinon. Charge de travail faible, 49%, je sais pas ce qu'il faut, hein, mais bon. Bref, les mecs s'en sortaient pas, donc je leur fais un. Je leur fais un grand bureau dans lequel ils pourront répondre à tous les courriers. J'aimerais pas avoir le. Si c'est du courrier.
postal, j'aimerais pas connaître le prix du. Enfin, je voudrais pas avoir le budget imprimante quand même. Budget imprimante doit être. Ouais. J'espère que c'est de l'imprimante laser, quoi. Mince. Oh zut, je vais y arriver. Parce que, le savez-vous, le tonnerre, ça coûte moins cher que l'encre. L'encre en poudre dans les imprimantes laser, ça coûte moins cher que une imprimante à jet d'encre. Oh, vas-y, let's go. Je dois recruter hein, par contre, hein. Je le sais, je le sais. En vrai, je me demande si je devrais pas séparer la salle en deux. Bon, déjà, rien qu'avec ça, déjà, ils ont de quoi bosser, hein. Ce sont deux personnes. Je vais recruter. Je vais recruter rapidement. C'est sans talent, c'est ça? Ouais, ça on s'en fiche. Allez les gars, c'est bon, ça chute, ça chute, ça chute. On va réussir à répondre au courrier. Si on arrive à ça, déjà c'est un miracle. Bon, ça va arriver petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on répond plus qu'on ne reçoit. Ok. Et du coup, je vais mettre dans ces salles-là. Bon, j'ai déjà baissé de 2%. The Slayer. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là de. Oh, allez. Les jeux qui ont vraiment zéro de hype chez les boosts.
Bon, et puis je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là pour... Ah, il me reste 20 minutes. Ouais, mais j'ai des choses à faire. Pff, allez, je continue encore un petit peu. Un tout petit peu. Attends, j'ai mon alarme qui va sonner quand... Il sera l'heure. Ouais. Pas... Lobby manager, hein, c'est ça. Ouais. Attendez, Assassin's Breed. Fafi Soccer. Aïe 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 aïe. Problème, c'est qu'au bout d'un moment, la logistique va plus suivre, hein. J'ai encore les salles du fond qui sont dispo, hein, mais bon. Et je dois encore avoir une dizaine de salles disponibles. Ouais, j'ai 10 salles disponibles, quoi. Eh ben, ça défile là. Il est là depuis longtemps celui-là, non? Ah, ça va encore. Bon, et les autres, ils veulent toujours pas se racheter là?
que j'attends que ça pour finir le jeu, moi, en vrai, hein. Parce qu'en vrai, là, on a quasiment fini, hein. Je vous dis, hein, après, c'est... Ah, on va quand même essayer, on va quand même essayer de vendre une console, hein, à terme, parce que... On va juste mettre fin au mode automatisation. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non, hein, pour le moment, il n'y a plus que le matériel, en vrai. Donc, let's go. Hein. Attendez, c'est ça ma liste? Oh, ben, d'accord, d'accord, ok. Bon, il y a eu beaucoup de sorties, hein. Il y a eu beaucoup de sorties de marché. Du coup, ouais. Je pense qu'il va falloir encore que je... Bon, je... Va falloir encore que je crée du personnel, tout ça... Pas que je que j'embauche du personnel, tout ça. Allez, allez, c'est parti. Combien de temps il me reste? Allez, il me reste 10 minutes. On va... service client. Hop, on va rajouter quelques bureaux. Parfait. J'ai dû faire un décalage quelque part. C'est pas grave. Salut, on recrute. Allez, hop. Même les problèmes de santé, même les trucs comme ça, allez-y. On s'en tape, il faut que vous bossiez. Alors, produire un jeu Land of Zorens, Florence. Ok. On va faire un petit tour sur les achats intégrés. Voilà, oui, parce que... Bah oui.
La roue tourne, va tourner, comme dirait l'autre. Comme dirait un grand philosophe de notre temps. Jusqu'au dernier euro, je vous ferai cracher les joueurs. En vrai, je vois bien hein, les patrons de d'Ubisoft, tout ça, ce qu'ils doivent penser. Hein. Parce que moi, j'aime bien l'argent. Comme chantait le JDG. Aïe, 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 concernant les grands classiques. On va en prendre quelques-uns. On va s'arrêter là-dessus. À la limite, ça hors caméra, je le ferai rapidement. De toute façon, c'est simple, hein. C'est juste, je reprends les grands classiques. Il faudra faire la même chose avec les GOTY. Parce que, bah, mine de rien, ça a rapporté de l'argent, et puis voilà quoi. Ça rapporte pas beaucoup, hein, mais ça rapporte. Du coup, mince, ce sont les packs complémentaires, ça. Grand classique. Tac tac tac, grand classique. Hop. Alors, tout ça en démat. Ok, du coup, est-ce que. Si je prends par genre, ouais, bah voilà, hop, on va pouvoir continuer.
J'en vends max, hein. Honnêtement. Bon, allez, on va faire un tour dans les achats intégrés du coup. Et après, on va relancer le jeu. Pas mal ça. Déjà rien que ça en vrai. Bing. Bon, on s'en sort. C'est absurde, hein. Niveau pognon, on est absurde. Mais c'est ça qui est bon. Mais pas avant, mais tais-toi. Allez! Un petit billet! Ah bon, enfin bref. Regardez-moi cette vente de démat. C'est débile. 5 millions là. 18 millions là. Parce que fuck it. Vingt-sept millions là, c'est. Allez, vas-y, ramène la moula. Enfin bref. Hop. Après, on va développer les consoles et là, ça va être débile. C'est. Après, on va vendre des consoles et ça va être débile. Et à la fin, on vendra du NFT. En vrai, c'est pas encore intégré dans le jeu le NFT. En même temps, c'est. Ben, voilà. On en a déjà parlé encore de cette série, hein. Enfin, parler. On l'a mentionné, on va dire. Appelez. Bien, bah écoutez, ma session de tournage s'arrête sur la distribution de Halo 5. Et puis je vais vous dire à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Va falloir que je gère le problème de micro. Allez, à plus tard. Et je vais m'occuper de mes grands classiques, moi. Ok, donc nous nous retrouvons pour moi le lendemain. Oula. Eh ouais, ça galère un petit peu là. J'ai. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de jeux. Alors, j'ai mis tous les jeux possibles en. Voilà, bon, le dernier qu'on a pris là, Alien Halo, hein, il est dans la liste, hein, il n'y a pas de souci ça. Hop, je vais juste redézoomer et voilà, mettre un petit peu plus droit. Ok,
Parfait. Donc voilà, donc Alien Halo 5, il est là, il est prêt à être produit. Tout le reste, et il y en a beaucoup, c'est des ricoms. C'est des grands classiques. Donc c'est tous les jeux que j'ai sortis qui sont en grands classiques. Et à la toute fin, donc il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai passé 1 heure à faire ça quasiment. Hors caméra. Par contre, j'ai pas relancé le jeu. Hein, j'ai pas du tout lancé la sauvegarde. Et j'ai commencé les bundles. Les bundles, c'est simple. Quand on a fait des ricoms, après, on peut les vendre par lot de 5. Donc voilà, on fera le bundle 8 plus tard. Donc j'ai fait 7 bundles avec tous les jeux qui sont qui ont déjà été ricoms. Et quand là, nos ricoms vont s'arrêter, je vais pouvoir rajouter des jeux. Pour le moment, j'en ai 4. Quand j'en aurai un cinquième, je pourrai faire le huitième bundle, et ainsi de suite. On va essayer de les faire au fur et à mesure. Mais voilà. Et là, est-ce que vous êtes prêts pour le pognon? Je suis à 57 millions... milliards, pardon. 306 millions. On est parti. Ah oui, il faut que je clique... Allez. Ouh, ça galère à calculer. Ah, j'en demande beaucoup au jeu, là. Oh, la violence. Oh, mais même le temps. Même le temps est galère. Attendez. On va passer en vitesse plus calme. Oh. Ah là, j'ai poussé le jeu dans ses retranchements, là. Là, il y a beaucoup trop de jeux à gérer. Cet enfer. Ça va ramer du cul. Bon, j'avoue, là, j'ai abusé. Oh, comment j'ai abusé. Vas-y, les bundles, en vrai. Et j'ai cliqué. Oh là 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 là, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Bon, on va rester un petit peu en vitesse normale, hein. Oh là là, les employés, comment ils marchent au ralenti. Oh, cet enfer. Attendez. J'ai filé un coup de main au jeu, là, parce que c'est pas possible autrement, là. Je suis désolé, hein, je vais baisser un petit peu les qualités. J'ai essayé vraiment, quitte à changer un petit peu 2-3 trucs, mais... Je remettrai après, mais là... Là, franchement, le jeu a besoin d'aide, là. Il y a une fenêtre qui est apparue, je sais pas ce que c'est. Il est censé y avoir une fenêtre là qui s'affiche, mais elle est buggée.
Mais ça va bugger le jeu? Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah, chaque semaine, il y a un gros calcul, hein. Ah ouais, mais c'est il doit générer les graphiques et tout. Ok. On a une nouvelle édition. En vrai pour le moment, je mets en pause. Mais en vrai pour le moment, on va arrêter les filiales. On va demander aux filiales d'auto-éditer là, parce que c'est pas possible. Hop. Voilà, il y a vraiment que s'il y a un gros jeu. Parce que là clairement, là, c'est... Le jeu galère trop, là. Le jeu, je l'ai tellement poussé. C'est abusé, quoi. Hop, fin de semaine. Ah, il va y arriver, hein. Il va y arriver, hein. Est-ce qu'on tente quand même rapidement? Ah, ça va, il est pas en train de crasher. Le jeu ne crache pas. Le jeu tient à ce niveau-là. Mais par contre, il galère niveau calcul. Ça se sent, hein. Je vous jure que ça se sent. Je sens que le jeu est à genoux, quoi. Mon PC, ça va? Attendez, faut que je jette un coup d'œil au gestionnaire des tâches quand même. Attendez, j'ai un... Non, j'ai une notif, non, non, c'est bon. Consommation très élevée. Ah ouais, il consomme 1 giga de RAM. Et ouais, il est à 25% du processeur. Bon, ça va. En vrai, il consomme... Ouais, je dirais un peu moins d'un quart des ressources de mon PC, quoi. Mais il galère en soi, quoi. Ouais, alors on va rester à droite, hein? Parce que